week-end, je participe enfin à l'étape du Tour 2022. Allez, c'est parti. Ah, c'est le moment où on récupère le dossard. C'est Marc Sarro de l'équipe Alsace Citroën Team qui nous les donné. Regardez. Trop excellent. Lucas, David. Ouais, c'est moi. Bah, j'ai gagné un dossard aussi. T'as gagné 12 heures d'enfer. Merci. C'est 12 heures d'enfer. 11, allez, 11. C'est 12 heures, ça y est. C'est bon, j'ai accroché ma plaque de cadre sur mon vélo, j'ai aussi mis en charge le DI2 histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises sur l'étape du tour. J'ai mon maillot H2R La Mondiale, H2R Citroën Team. Là-dedans, on va mettre, donc on a mis, j'ai mis le dossard, j'ai fait plein de petits tests, je suis parfaitement installé ce dossard, c'est trop bien. Dans mes poches, il y aura des gels Morten, comme je compte mettre environ 7 heures, je pense que je vais prendre 7 gels. Histoire d'être sûr, hein, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gels sans caféine. Un gel avec caféine pour juste avant l'Alpe d'Huez. Ça, je vais mettre ça dans mes poches. Donc plutôt ma poche droite, un peu ma poche du milieu. La poche de gauche servira pour les déchets. En gros, dès que j'aurai fini un gel, bah, j'aurai juste à mettre ça dans la poche de gauche qui fera poche de déchets. Ça, je mélange pas déchets et pas déchets. Ce qui est assez cool, t'as pas besoin de trifouiller dans les gels dégueulasses. Pour pouvoir avoir les gels tout neufs, donc ça c'est chouette. J'espère que j'ai pas avoir de problème pour ouvrir les gels avec les dents, comme ça m'arrive parfois avec les gels Morten, mais je ferai bien gaffe pour bien les gober correctement. Il est 18h40, la veille de la course, on a rendez-vous à 19h pour aller dîner. Après ça, on fera dodo, dormir à point fermé, j'essaie de regarder un truc pour m'endormir, et puis lever demain matin aux alentours de... un peu avant 4h du matin, parce que ça départ 4h30, les routes ferment à 6h30, donc il faut être vraiment très matinal sur l'étape du Tour 2022, c'est très particulier, le niveau logistique c'est vraiment un enfer, Briançon, l'Alpe d'Huez, mais ça risque d'être quand même mythique, enfin, c'est vraiment super comme parcours. Voilà, souhaitez-moi bonne chance et à demain matin. Salut les jeunes cyclistes dynamiques, il est 4h30 du matin, en train de charger les vélos dans une remorque et après on va aller dans un bus. Je suis poursuivi par une caméra. C'est terrible. Sauvez-moi. Bon, on s'installe, on va aller dans le bus. À tout à l'heure. Du coup, on est à Briançon, on est en train de décharger les vélos, moi j'ai déjà le mien. Et puis là, regardez derrière moi, il y a le flot des participants, on va être 16 000 aujourd'hui. Et il va falloir se mettre dans les sas là, nous on est au sas 3. Ça va, on n'est pas trop loin des tout premiers. Ça va être super chouette, il fait vraiment froid, il doit faire peut-être 9-10 degrés grand max. Donc ça va être un moment à passer au début quand il fera froid. Ça ira mieux au fur et à mesure. Bon, je suis dans mon sas, on est sas 3, avec la team Alvera Mondial. Ah ouais, un peu l'ambiance. Là, je pense que tout le monde a hâte que ça parte parce qu'il fait quand même pas chaud, il fait genre 11 degrés. Mais il y a un rayon de soleil qui arrive là, c'est chouette. Au programme de la journée, un parcours impitoyable au départ de Briançon. Ensuite, direct vers le col Lautaret par Le Montier-les-Bains. Ça va arriver bientôt. Et ensuite, on se met à grimper le col du Galibier, point culminant de notre parcours, pour ensuite redescendre vers Valoir tout d'abord, qu'on va tout voir arriver à l'écran, paf, puis remonter vers le col du Télégraphe sur 4 km, redescendre
vers Saint-Michel-de-Maurienne, prendre à gauche dans la vallée de la Maurienne jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne pour ensuite parcourir les 20, plus de 20 km du col de la Croix de Fer jusqu'à Saint-Sorlin-d'Arves d'abord, puis ensuite jusqu'au col de la Croix de Fer que voilà, puis redescente vers le col du Glandon au niveau du barrage de Grand-Maison et encore une fois vers Almont et le barrage du Vernet pour ensuite nous diriger dans la vallée d'Oisans que voilà et filer vers Bourg-d'Oisans au pied de l'Alpe d'Huez. C'est 21 lacets, c'est 14 km au total, ce sont plus de 4500 mètres de dénivelé qu'on allait parcourir dans la journée. Et voilà, c'est parti pour cette étape du Tour 2022. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je vais faire une petite explication de ce que vous voyez à l'écran. À l'écran, en bas à gauche, vous avez la vitesse en kilomètres heure. Un petit peu au-dessus, vous avez la pente actuelle, la pente courante en pourcentage. À côté à droite, vous avez l'altitude actuelle. Donc là, on a démarré à Briançon qui est à 1200 mètres. Ensuite, vous avez la distance parcourue avec le petit bonhomme qui pédale juste en dessous. Si vous regardez sur le bord bas droit de l'écran, vous avez la puissance en watts. C'est le chiffre qui bouge tout le temps, là, 390, 400 et des bananes. Au-dessus, juste au-dessus qui tourne, vous avez la cadence de pédalage en tours par minute. Et à gauche, vous avez la fréquence cardiaque en battements par minute. Maintenant que le HUD est expliqué, ah, j'oubliais, il y a aussi la température en haut à droite, et ben, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le début de cette étape du Tour. Alors, on part sur le SAS 3, on part du SAS 3. Le SAS 3, c'est le quatrième SAS à partir. Il y a un SAS 0 avec les 1 à 1000. Ensuite, il y a le SAS 1 avec les 1000 à 1999, etc., etc. Et nous, on est SAS 3 avec les 3000 jusqu'à 3999. Du coup, je vais faire la course avec environ 1000 coureurs qui font partie du même SAS. C'est comme ça que ça se passe dans l'étape du Tour et dans la plupart des cyclos d'importance où il y a beaucoup de coureurs au départ. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de rester au maximum avec les plus rapides de mon SAS pour essayer de faire le meilleur temps possible. Ça, je vais le faire au moins sur les pentes du Galibier parce que c'est sur cette ascension que les pentes sont les moins raides et quand les pentes sont moins raides, on roule plus vite et si on roule plus vite, on profite plus de l'effet d'aspiration à vélo. Ici par exemple, on est à 22 km/h, donc on profite d'un effet d'aspiration qui est plus élevé que si on roulait à 10 km/h par exemple. D'où l'importance à mon niveau de rester au contact des coureurs qui font le rythme. Là, il faut dire que le rythme est quand même super élevé. Hein. Regardez, 375 watts, 350 watts. Je vais essayer de remonter au maximum jusqu'à l'avant et une fois à l'avant, je verrai dans quelle mesure j'ai envie de courir avec les mecs qui font le train actuellement. Donc là, il me semble arriver presque tout à l'avant du SAS. On commence à voir les premiers coureurs, ils sont là, hein. Les voilà. Et en me positionnant à cet endroit, je vais pouvoir déjà relâcher un petit peu parce que ça va se calmer. Regardez, on passe directement en dessous des 300 watts et essayer de voir qui seront les coureurs avec qui bah, je vais faire la course aujourd'hui. Très rapidement, on est remonté sur les coureurs lâchés des autres SAS. Ici, voilà un gros groupe du SAS numéro 2 qu'on a assez vite remonté au bout d'une dizaine de kilomètres. Voilà, les SAS sont échelonnés, me semble-t-il, de 7 minutes 30. Ce qui veut dire que les coureurs du SAS 2 qu'on vient de doubler, on leur a déjà repris 7 minutes 30. Ah, c'est ouf, il fait tellement froid. J'ai de la buée qui sort de ma bouche quand je souffle. C'est quand même absurde. Et au 15e kilomètre, le groupe subit une grosse accélération. En fait, il y a une grosse cassure qui s'est faite, on la voit là assez bien. Et derrière, moi je vais prendre la roue d'un coureur qui va m'aider à revenir sur ce groupe détaché. Et à ce moment-là, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment raisonnable de faire des efforts aussi intenses, aussi tôt dans la course et sur des pentes aussi peu raides? Et à ce moment-là, avant le col du Lautaret, je me dis déjà qu'il va falloir que je m'en mette à un rythme qui sera le mien et qui sera le mien jusqu'au bout pour pouvoir arriver à la fin de cette étape du Tour. Bon là on arrive au col du Lautaret, ça va commencer à devenir raide ici, il faut avoir du courage. Et comme je viens de vous l'indiquer, nous arrivons bientôt au col du Lautaret.
Je suis dans un groupe avec des gars qui roulent à une allure que je pense supportable jusqu'à la fin de l'étape du tour. Là, je visais vraiment aux alentours des 260-270 watts jusqu'en haut. Regardez, il y a énormément de monde sur la route. C'est vraiment dingue. Regardez, c'est superbe. Alors, je prends un instant quand même pour vous faire voir la beauté de l'endroit. Franchement, c'est le matin comme ça, avec les ombres portées, cette lumière matinale d'été, c'est vraiment magnifique, cette montagne. C'est vraiment génial. Et pour ça, l'étape du tour, c'est pas seulement un défi individuel et physique, c'est aussi des paysages à couper le souffle, entourés de plein de gens. Mais vraiment, c'est dingue. Il y a des gens qui sont au bord de la route, qui ravitaillent leurs proches, mais aussi qui sont là pour encourager des coureurs comme ils le font pour les pros. Et c'est vraiment, vraiment super chouette de pouvoir vivre ces instants assez incomparables, je dois dire. L'étape du tour, c'est aussi des moments un peu rigolos, comme cet embouteillage au niveau du col du Lautaret. Là, vraiment, j'ai dû faire hep-hep pour que les coureurs ne se décalent pas de mon côté et que je puisse continuer mon ascension tranquillement. C'est vraiment une cyclosportive sans égale. Et me voilà sur mon rythme de croisière. J'ai accroché un groupe qui roule à peu près à l'allure dont j'ai besoin pour m'amener jusqu'en haut du Galibier. Je n'avais jamais fait cette face-là, j'avais jamais fait Lautaret-Galibier. J'avais toujours monté le Galibier par le col du Télégraphe. C'est une ascension plus facile à mon sens, parce que moins pentue, parce que plus régulière. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment très chouette. En plus, il y avait vraiment du monde, donc c'était assez plaisant de pouvoir courir avec autant de coureurs autour de soi. Regardez la beauté quand même du paysage et du soleil qui vient taper sur le côté là. Il faisait bon là, hein. 17 degrés, on était bien. Il faisait un peu frais, il y avait le soleil qui chauffait, c'était vraiment très agréable, beaucoup plus que dans la partie de vallée qu'il y avait entre Briançon et le col du Lautaret. Là, on est vraiment dans la véritable expérience étape du tour, hein. On est dans le truc et je suis calé sur mon objectif, hein, les 250-270. Peut-être un petit peu plus, mais je m'étais, pour le moment, à ce stade de la course, je m'étais vraiment dit reste autour des 260-270, tu verras, tout se passera bien. Le but était de rester I3 pendant toutes les ascensions. Ce que j'avais essayé de faire sweet spot ou au seuil pendant les ascensions, par exemple sur le Galibier Challenge, et ça ne m'avait pas du tout réussi, sachant par ailleurs que cette course allait probablement me prendre pas loin de 7 heures, voire plus de 7 heures. Il fallait quand même avoir une approche beaucoup plus conservatrice et c'est pour ça que j'ai choisi de me mettre plutôt I3 que d'aller chercher sweet spot carrément. Donc là vraiment on va se mettre tempo classique, donc voilà, autour, comme je l'ai dit déjà 2-3 fois, 260-270 watts, ça fait pas mal du tout. Ça me permet d'avoir une vitesse assez élevée mine de rien en pente et de pas me cramer du tout et d'arriver normalement avec tous mes esprits et toutes mes capacités au pied de l'Alpe d'Huez. On arrive maintenant tout proche du col du Galibier, on reconnaît bien cette montagne ocre qui est juste devant nous, là derrière le camping-car. Ces derniers lacets, ces derniers kilomètres, là je crois qu'on est dans les deux derniers kilomètres, voire dans le dernier kilomètre, sont un peu plus raides. Regardez à gauche, vous avez dans le HUD la pente actuelle, on est à 8% à 14 km. Alors il faut pousser un petit peu plus sur ces passages parce qu'il nécessite un petit peu plus de puissance pour pouvoir conserver une vitesse correcte. Et je choisis de la fournir cette puissance, je choisis de rester dans le flot des coureurs en me disant que cette énergie que j'utilise maintenant, elle est bien utilisée parce qu'on est sur des pentes plus raides et donc on peut se permettre d'y aller un peu plus fort que si on était sur du 5-6%. Là vraiment il y a une utilité sur les pentes raides à utiliser un peu plus d'énergie. Allez, ça y est, j'arrive en vue du col du Galibier, donc le point de bascule, il est juste dans le virage là qu'on va voir là à droite. Ça me permet de me dire bon, première étape, première difficulté, ping, c'est bon, c'est coché. Maintenant cap sur la suivante. Je ne m'arrête pas au ravitaillement. Ce premier ravitaillement, je ne vais pas m'y arrêter. J'ai encore pas mal de quoi boire, de quoi manger. Prochain ravitaillement en vue, c'est celui qui sera au pied du col de la Croix de Fer, mais d'abord descente vers Valois, remontée du col du Télégraphe et descente vers la vallée de la Maurienne. En parlant de descente, je vais parler un petit peu de comment je préfère approcher les descentes, en particulier les descentes rapides comme celle du col du Galibier vers Valois. Il faut savoir que vous allez être entouré dans les cyclosportives de cyclistes qui n'ont pas forcément une super technique en descente. Par exemple ici là, on arrive sur un virage à droite, il y a des cyclistes qui sont à l'intérieur du virage, à l'entrée du virage. En général on prend le virage à l'extérieur du virage, à l'entrée du virage. Alors, moi je suis bien à l'extérieur et je plonge à l'intérieur.
en coupant la ligne au milieu, parce que les routes sont fermées, donc on peut se permettre de le faire. Et le fait d'avoir autour de vous des coureurs dont vous ne connaissez pas du tout les capacités en descente, la compétence sur un vélo, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me file un peu les foies. Et je préfère être particulièrement précautionneux. Là, par exemple, au lieu de passer comme une bombe à gauche de ce coureur, j'ai décidé de m'approcher doucement avec les doigts sur les freins et de le dépasser à un moment où je pense qu'il était facile et sécuritaire de le dépasser. Du coup, je l'ai fait de cette manière et je l'ai dépassé de cette manière. Ici, de la même façon, au lieu de dépasser ce coureur dans le freinage, je vais freiner un petit peu avant, le laisser freiner tranquillement, voilà, il a vu. Et là, hop, je tourne et je vois qu'il laisse à l'intérieur un peu de place, donc je vais passer à l'intérieur et le dépasser tranquillement, voilà, sécurité. Pile 2 heures que je suis en course, on arrive au col du Télégraphe, là, et pour le moment ça va. Je viens. J'ai fait un gel, je pense en bas, je vais en prendre un autre. Je ne boive plus, je pense. J'ai bu qu'un seul bidon, même pas. Vraiment, je bois plus. Allez, je retrouve un petit peu après. Mais c'est sur la descente du col du Télégraphe que vraiment, j'ai vraiment eu l'impression d'être, pas d'être en danger, mais presque en fait d'être entouré de danger. Là par exemple, ici, regardez le coureur en jaune, il va prendre que des trajectoires très bizarres. Ici, être à l'intérieur du virage à l'entrée, un petit peu comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, de la même manière, il va rester à l'intérieur. Hop, mais en fait, il vient à l'extérieur finalement. Je reviens à l'extérieur. Donc il se met un petit peu dans ma trajectoire, sans faire attention. Là, il va accélérer. Ok, très bien. Toucher un peu son nez, voilà, petit coup de morve. Donc là, il pédale. Et là, il va encore être à l'intérieur, un peu à l'intérieur du virage. Au lieu de se mettre à l'extérieur. Il va se mettre à l'extérieur à la fin, puis rentrer dedans, passer à gauche, continuer à pédaler, donc lui il a vraiment pas envie de perdre une seconde dans la descente, pour ensuite virer trop tard et prendre trop large. Regardez, il va finir presque dans le talus, hop là, et du coup pour le virage suivant il n'est pas du tout bien placé, il doit se décaler encore une fois, et au virage suivant, ça va être la même chanson, virage à gauche, il va se positionner à gauche, donc à l'intérieur du virage, il va devoir freiner en tournant, hop là, hop, je freine en tournant. Il finit voilà dans le S, c'était assez bizarre. Dans un autre style, ne soyez pas cette personne, regardez, sur ma gauche. Ça va arriver dans. Hop là, voilà, le gars qui vous frôle dans la descente. Voilà, ne soyez pas cette personne. Ne frôlez pas les autres. C'est pas du tout une bonne idée. Vous ne savez pas qui ils sont. Vous ne savez pas comment ils vont réagir. Ils pourraient sursauter, se faire peur, finir dans le décor. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc je déconseille. Voilà, ne soyez pas cette personne. Et nous voilà arrivés en bas de la descente du Télégraphe, on la reconnaît très bien avec ce petit pont d'autoroute là, ce petit tunnel d'autoroute. On arrive à Saint-Michel-de-Maurienne, ça va être virage à gauche au feu rouge, puis retour dans la vallée de la Maurienne. L'objectif ici pour moi, c'est de conserver le contact avec ce groupe. Il ne faut absolument pas que ce groupe me lâche, parce que dans la vallée de la Maurienne, il y a en général un peu de vent, et être tout seul, c'est vraiment cramer des forces pour rien. Donc l'objectif, c'est vraiment de rester dans le groupe et d'avoir un groupe de grande taille pour que ce groupe puisse m'amener le plus vite possible au pied de la prochaine ascension qui est le col de la Croix de Fer. Donc là, je vais vraiment aller faire consciemment l'effort pour rester dans la route de tous ces coureurs et essayer de faire en sorte de rester dans ce groupe et de profiter de son aspiration, éventuellement l'organiser pour qu'il roule plus vite. Et là, vraiment, le jeu, ça va être de rester dans les roues de tout le monde et de pouvoir profiter de l'allure de ce groupe pour pas se retrouver tout seul. Moyennant quelques efforts, on va réussir à revenir au contact avec les 3 autres gars qui font partie de mon bébé groupe, et ça va nous permettre d'être tranquille jusqu'à l'arrivée au pied du col de la Croix de Fer. Après un passage bien mérité au ravito où j'ai récupéré de l'eau, où j'ai pu faire pipi, me voilà au pied du col de la Croix de Fer. La première rampe est la plus difficile, c'est pour ça qu'il allait falloir que je sorte un petit peu plus de watts que ce que j'ai pu sortir sur le Galibier ou ce que je sortirai un peu plus tard dans le reste du col de la Croix de Fer. Là, c'est vraiment l'enjeu et d'avoir de l'allure au début parce qu'on est, regardé en bas à gauche, déjà à 10-11%. Là, on est vraiment sur une partie raide. Les premiers kilomètres sont, je le crois, les plus durs. Donc là, vraiment, j'ai décidé de mettre vraiment de l'intensité. En plus, à ce moment-là, c'est presque la première fois que je fais un effort long à cette intensité-là. Hein. Là, je suis pas loin des 300 watts. Je vais avoir environ 289 watts de moyenne sur ces kilomètres. Ces premiers kilomètres un petit peu raides. Donc là, le but est vraiment de mettre le rythme, surtout de m'habituer un petit peu à cet effort, de faire en sorte d'être à l'aise, quoi.
Ce col de la Croix de Fer, il comporte en tout 3 rampes. Là, je viens d'arriver sur la deuxième. Et c'est pas la dernière. Enfin, au début de ces rampes, en général, les coureurs ont tendance à vouloir mettre trop d'énergie. À vouloir, comme ils sont frais, vu qu'il y a eu une petite descente et qu'ils ont pu se refaire un peu la cerise, ils ont tendance à vouloir vraiment tout éclater dans les premières pentes. C'est ce que fait le coureur en rouge juste devant moi qui vient me dépasser. Je pense que Guy Ray s'est dit « Oh là là, une deuxième rampe, super, sur cette rampe-là, elle dure aussi 6 km. » Donc, c'est pas comme si on allait pouvoir gagner beaucoup de temps à partir fort dans les premières pentes. Moi, ce que je fais, c'est que je garde une puissance plus ou moins constante. Je module en fonction de la pente, mais l'objectif, c'est de rester aux alentours des 260-280 watts. Peut-être qu'on pourra se balader un petit peu au-dessus des 300 quand les pentes seront élevées. Peut-être qu'on sera peut-être autour des 200-220 quand les pentes seront faibles. Et globalement, on va rester aux alentours des 270-180 watts. Le coureur qui est juste devant, qui m'a dépassé, là, on voit qui plafonne un peu, hein, puisque la distance qui me sépare de lui n'augmente plus. Donc là, il est vraiment en train de plafonner. Et faute d'augmenter, cette distance qui nous sépare, elle va même diminuer. En gardant la puissance constante, en restant vraiment à mon train, j'arrive finalement à aller plus vite que ce coureur en rouge qui était parti un petit peu trop fort sur les premières rampes de cette deuxième marche du col de la Croix de Fer. À la fin de cette fameuse deuxième marche, on arrive sur un tarmac un petit peu plus propre. Il me semble que cette route, elle était en train d'être refaite alors que l'on faisait notre reconnaissance du parcours de l'étape du Tour avec l'équipe AG2R La Mondiale. Du coup, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir rouler sur cette belle route. Là, on voit bien le soleil qui se reflète sur la route tellement elle est propre. Ça fait vraiment, vraiment kiffer. Et là, quand ça roule bien, ça donne envie d'y aller. Ça donne envie vraiment. C'est aussi pour ça qu'on fait du vélo. Hein, c'est pour se faire plaisir avec des belles sensations sur des routes. Et sur ce genre de route, c'est toujours un gros kiff, quoi. Après, le gros problème, c'est qu'à ce moment-là, sur cette route neuve, il commençait à faire sacrément chaud. Regardez, 26 degrés dans l'air avec la réverbération. Je peux vous dire, vu qu'il n'y avait pas d'ombre, c'était quand même compliqué. D'ailleurs, moi, ce que je faisais, c'est que je roulais plutôt à gauche de la route parce que c'est souvent plus ombragé. Là, voilà, regardez, hop, là, il y a un bout d'ombre qui me permet de souffrir un petit peu moins de la chaleur causée par le soleil et son rayonnement. C'était vraiment la petite technique. Vous allez me voir plusieurs fois, je pense, coller sur la gauche de la route. Là, par exemple, c'est complètement ombragé, mais ça l'est un petit peu plus sur la gauche. On voit que c'est plus sombre, donc le bitume est un peu plus frais, ce qui permet de moins souffrir de la chaleur et de moins transpirer. Avoir de la transpiration qui coule dans les yeux, c'est vraiment pas très kiffant. Un peu plus loin, je me retrouve avec ce coureur qui est juste devant moi, qui a un maillot Giant Lisieux, qui a un Giant TCR. Et avec lui, on a eu l'occasion de discuter un petit peu. C'est vraiment la petite rencontre du col de la Croix de Fer. On a passé un petit peu de temps ensemble parce qu'on courait un petit peu au même niveau, donc on était plutôt bien l'un et l'autre. Moi, j'avais la chance d'avoir déjà gravi ce col de la Croix de Fer, du coup je donnais quelques petites indications au sujet de l'ascension, de là où on en était, est-ce qu'il va y avoir un replat, est-ce que ça va être difficile, est-ce que ça va être facile, etc. Parce que comme lui ne connaissait pas du tout, ça lui permettait d'avoir un petit peu une idée de comment gérer son effort. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir partager un petit peu l'information qu'on avait pu avoir grâce au stage de réparation qu'on a réalisé avec AG2R La Mondiale. Ça y est, j'ai 3 heures de route. Pour le moment, ça va. Je suis un peu en avance sur ce que je pensais faire. Mais au niveau des watts, ça a l'air de tenir. Pour le moment, en tout cas, j'arrive tout juste à 100 km parcourus. 3h37 en compteur, c'est bien. Bon, oui. Ah, pompier. Au moins, c'est pas pour nous. Ok, je suis dans les 5 derniers kilomètres du col de la Croix de Fer. Quand je serai en haut, j'aurai fait le plus dur mentalement. Il restera plus grand chose. Là, dans 25 minutes, je suis là-haut. Peut-être un peu moins. Et après, on va se reposer en vue de la Côte d'Huez. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai eu un petit problème de caméra à partir de cet instant-là, mais ce que je vais vous montrer, c'est que je vais vous montrer les segments sur Strava. On va se rendre compte un petit peu de la progression de l'effort. Là, si je regarde par exemple les 5 derniers kilomètres sur la Croix de Fer, voilà, je me retrouve à 239 watts de moyenne,
ce qui est quand même beaucoup moins que la première rampe de 179, et que par exemple voilà, la deuxième partie de la croix de fer à 264 watts. Donc là on a vraiment un beau déclin de la puissance, ça commence déjà à devenir dur à ce moment-là de l'étape du tour. Je commence vraiment à faiblir et ça s'entend un petit peu à la voix. Oh, allez, j'arrive en haut de la croix de fer. C'est plus dur mentalement là. Bravo. Allez. Prochain arrêt. Bourdoisan. On est dans le pétard de la descente du Glandon. Tout le monde est collé. Tout à gauche. Complètement collé. Ah, c'est dur. Objectif, se refaire la cerise avant l'Alpe et tout donner à la fin. Allez, courage. Ça y est, on est au pied de l'Alpe. On va mettre tout ce qui reste et puis voilà. Là, je vais faire ma course tout seul. Moi-même contre moi-même. C'est parti. Si je veux arriver avant 14h, ce que je pense pour pouvoir espérer une bonne place, il faut que je fasse moins d'1h10. On verra. Allez, c'est parti. Ok. Comme à mon habitude, j'ai mis un peu plus de watts sur la partie dure au début, jusqu'à la garde. Là, je vais pouvoir relâcher un poil et récupérer. C'est très dur. Et à nouveau, je vous propose de regarder un petit peu les stats sur Strava. On va aller regarder l'Alpe d'Huez. Et comme je vous l'ai dit au début, je vais vraiment plus m'employer dans les deux premiers kilomètres. Là, hop là, comme ça, ici. Là, on a 285 watts, par exemple, pendant les... Ah, il n'y a que 1,3 km. Et pendant les premiers kilomètres, là, qui sont allez, au nombre de 2, là, je crois, jusque là, à 280 watts, voilà, pendant les deux premiers kilomètres. Et ensuite, quand on regarde l'ensemble... On est à 216 watts ici, là vous voyez avec ma souris. Ce qui veut dire que sur la partie qui suit, j'ai vraiment souffert avant d'arriver sur dans les derniers lacets de l'Alpe d'Huez. Là on est à 205 watts de moyenne pendant 54 minutes. On est vraiment, quand on compare avec l'intensité de la course au début, par exemple, mettons sur le col du Galibier, on avait 263 watts de moyenne. Sur le col du Lautaret, on a 290 watts de moyenne. C'est complètement absurde pour un col à 4,5%. Donc là, vraiment, il y a un problème d'emploi de la puissance. Parce que j'ai utilisé beaucoup de watts sur une pente relativement faible. Et beaucoup moins sur les pentes les plus raides. Voilà, après, c'est l'excitation du moment, évidemment. Et puis le fait que j'étais dans un groupe. Donc être dans un groupe, c'est toujours... très avantageux, en particulier quand les pentes sont faibles. Toujours est-il que voilà, sur la fin, l'Alpe d'Huez, 216 watts. Franchement, je me suis même arrêté plusieurs fois pour boire de l'eau tellement j'avais soif. C'était vraiment difficile, on les voit les arrêts là. Si on regarde là, on voit qu'il y a un décrochement de cardio et une cadence de pédalage à zéro. Il y en a un. Il y en a un autre là. Deux. Et je crois qu'il y en a un troisième. Hein. Je crois que je me suis réarrêté... Enfin, je me suis arrêté au moins deux fois. Voilà. C'est pour vous dire l'état dans lequel j'étais dans l'ascension de l'Alpe d'Huez. C'est la fin de la montée. Il ne reste plus que du plat ou de la descente. Allez. On passe le grand plateau. J'ai mis 6h45.
qui m'ont reconnu, regardez. Qui arrive encore là, et moi je vais attendre que Marie arrive. Elle va arriver d'ici une petite heure, je pense, parce qu'elle est dans l'Alpe d'Huez là, donc on devrait la voir arriver très bientôt. J'ai hâte qu'elle arrive. Allez, Marie! Résultat, je termine en 6h43min30s, vitesse moyenne de 24,8 km/h. Je me classe 244e sur 8707 coureurs à être arrivé au bout. Donc il y a eu pas mal d'abandons, j'imagine. 244e sur 8707, c'est top 3%. Donc je fais partie des 3% meilleurs de l'étape du Tour 2022. Je vous ai montré mes watts sur tous les cols. Du coup, information importante, je faisais 66 kg le jour de l'étape du Tour. Donc maintenant, vous savez tout. Vous avez toutes les infos à votre disposition pour savoir ce qu'il faut faire pour arriver dans le top 3% d'une étape du Tour. Quant à Marie, elle aussi a fait un super résultat. Elle arrive 48e sur 380 femmes à être classées. Elle boucle cette étape du Tour 2022 en 8h31 minutes et 15 secondes à une moyenne de 19,6 km/h. Je tenais à remercier HGR La Mondiale pour avoir permis de vivre cette expérience de dingue entre le stage et l'étape du Tour le jour même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la suite de mes aventures. Et en attendant, je vous dis allez, ciao.